Ça y est, nous y est. Cette vidéo est sponsorisée par AliExpress. Malléluia. Malléluia, incroyable. C'est combien de temps? 7 ans, 8 ans qu'on fait 8 des ans. Vidéos 8 ans qu'on fait du contenu AliExpress. Et en 8 ans, c'est la première fois qu'on est sponsorisé par AliExpress. Vous avez connu l'autre. Là, c'est AliExpress, les mecs et les filles. Bonjour, nous sommes au début de la vidéo, il vient de se passer quelque chose d'extrêmement drôle, donc restez pour plus tard. J'avais juste oublié de faire la promo avant, donc cette vidéo est sponsorisée par AliExpress. Le 11-11, peut-être que 1 plus 1 égale 11. Vous avez les meilleures promos sur AliExpress, tout à super promo, meilleur prix. Vous avez plein de codes dans la description, moins 5, moins 10, moins 20% en fonction du montant que vous dépensez. Merci AliExpress de sponsoriser la vidéo. Et on continue, nous on est déjà presque à mi-tournage et on se fend bien la gueule, j'ai fait des conneries partout. Donc voilà, restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature, qu'est-ce qu'il y a dans le capot? Donc, j'avais déjà fait une vidéo exactement la même sur la mienne que j'ai regardée ce matin pour être sûr de ne pas faire de conneries. Et on avait fait ça sur ma voiture quand elle était encore Grinardo. Et quand WeaveWrap venait d'ouvrir, il n'y avait rien dedans. Mais rien. Même pas le bureau, rien. Donc c'est trop drôle de revoir les vidéos. Donc aujourd'hui, AliExpress nous a envoyé ça. À la base, c'était pour la mienne. Et puis en fait, full flemme parce que la mienne, elle est déjà équipée en rouge. Flemme de les rechanger, de refaire invertir les deux. Et bon, le violet, ça s'enverra très bien. Bah regarde, là, ça, voilà. Là. Très bien avec ça. Très bien avec ça. Non, mais ça... Ça rend bien sur celle-là. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit échange d'ailerons. Oui. Voilà. Petit échange de, pour ceux qui ont l'œil. Les deux, trois petits indices. Mais... Purite silicone comme ça, tressée, tout simplement, parce qu'on peut. Et puis, ça fait des années que je les ai dans mes favoris sur Ali. Hein. Mais en rouge, bleu, noir, c'est pas cher. En violet, c'est hyper cher. Donc là, du coup, vu que j'ai pas payé, j'ai dit je prends les hyper chers. Donc, je suis content. Donc, je vais aller chercher le cric. Et ensuite, je vais t'expliquer comment on fait. Parce que toi, tu sais pas. Non. Bah d'ailleurs, je savais pas qu'il fallait soulever la voiture pour ça. Ah ouais. Bah, c'est mieux. Waouh. Elle est belle. Et moi, j'ai une question à poser aux... Attends. Aux abonnés. Quoi? Parce que je trouve que le bandeau, ça fait vide, là. Bah, vas-y. Est-ce que vous avez des idées de ce que je peux mettre là? Parce que je trouve que ça fait vide. Ça rend bien, mais ça fait vide. Donc, c'est soit le changer de couleur ou soit rajouter un truc. Parce que j'aime bien le côté beige, comme ça. Mais j'ai pas d'idée quoi mettre dessus. Et non, j'ai pas envie de mettre un brosse garage ou un truc comme ça, parce que je l'ai déjà derrière. Ou même mon nom Insta, je trouve ça kitsch un peu. Donc si vous avez des idées, faut les dire dans les commentaires. C'est comme ça qu'il faut dire. C'est bon, t'es une youtubeuse, toi. Hey. Vraie youtubeuse, la meuf. Il y a une petite nouveauté. Ah, c'est comme ça que t'as enlevé les feuilles. Ouais. Ça fait... Voilà, bon pour ceux qui nous suivent sur Insta déjà, vous savez. Et ouais, pour rigoler, on lui a foutu le UEL pour voir ce que ça c'est. Je trouve que c'est pas mal, mais je ferai une vidéo débrief. Dites-moi si ça vous dit d'ailleurs une vidéo débrief sur le collecteur UEL après plusieurs kilomètres, enfin plusieurs centaines de kilomètres d'utilisation. Avec une ligne acier ou avec une ligne inox. C'est pas du tout pareil et j'ai plein de choses à dire. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en com. J'aime trop le plan que j'ai fait. Ah bon? Regarde. C'est joli. Ouais. Waouh, un 2JZ. Donc, bah là, vous pouvez voir le petit UL. Montre cette belle pièce. C'est de toute beauté. Et on change aujourd'hui les durites qui sont là. Donc ça, ça, tout ça ici, là. Tout ce qui est noir, en fait. À peu près tout. Il y en a pas mal qu'on change. Une là-bas, une là. Il y en a une en dessous qui est super chiante, donc on ne touche pas de mémoire. Mais voilà, on va s'occuper de tout ça. Il faut qu'on vidange ça. Ah merde, t'as une plastique de merde toi. Bah oui, elle est d'origine chérie. Ah non, t'as un petit pipi là. Ah, il y a un petit trou pour le pipi. C'est trop bien.
Tu vas te salir les mains pour une fois, ma chérie. Oh. Tu vas apprendre. Ferme la veste parce que tu vas te. Si ça éclabousse, ce que tu peux faire, c'est déjà ça défaire. Non, pas besoin de gants. Tu vas te salir les mains. Non. Tu peux enlever l'éclipse là. Mais je sais pas en fait ce que je dois faire après l'éclipse. Ils disent enlever l'éclipse. Ah si, c'est bon. Elle... Oh, il y a Clipception là. C'est trop bien ça. Voilà, j'en ai un sale. Bah, il y en avait que trois en fait. Ah bon. Tu me donnes une mission, mais. D'accord. Maintenant, tu tournes à droite, tu visses. Visse fort. C'est bien, allez, encore, encore, encore. Je vais mettre une chandelle derrière après. Maintenant, on va devoir dévisser, vidanger ça. Donc, on va récupérer un bac de vidange. Déjà, on va pas le vidanger par terre. T'as un rectangle là-bas, découpé. Oui. Là, oui, là. Oui. Et en fait, ici, t'as un petit robinet. Il faudra dévisser le robinet, ça va couler tout doucement. Et quand je vais ouvrir là, ça va couler vite. Bah, c'est le liquide de refroidissement. Mais c'est de l'eau, c'est quoi? Tu peux mettre de l'eau. Mais l'eau à 100 degrés, ça boue. Ouais. Et là, c'est du liquide de refroidissement. Tu sais, ça va jusqu'à 190 ou 200. Donc c'est et c'est ce qui refroidit. Non. Voilà. Bah, c'est jaune, quoi. Ça colle, c'est pas. Ah. Mais c'est ce qui refroidit ton moteur. Techniquement, tu peux mettre de l'eau si t'en as vraiment plus. Tu peux mettre de l'eau pour éviter que ton moteur oui, surchauffe. Si oh putain, non. De l'autoroute, ou non, mais pile le jour où on fait du tournage, ils font de la tronçonneuse à côté, quoi. Même s'il y a les bruits de tronçonneuse, là, normalement, avec CapCut, je peux enlever les bruits de fond, donc on essaiera. Si la voie est légèrement déformée, que je m'excuse, mais on va pas s'arrêter de bosser pour ça. Pour vidanger, on a ça. Tenez, madame. Un bac à vidange de voilà. Cuisine. Ouais, cuisine. Ah oui, nature cuisine. En fait, je te dis toujours, je vais avoir les mains noires, et puis en fin de compte, c'est toi voilà, qui fais. Pipi. T'en as même pas mis par terre. Je vois faire pipi. Ah, c'est un gros pipi, hein. Oh la vache. Ah ouais, c'est jaune. Et maintenant, regarde, on peut enlever ça. Bah ça, j'aurais pu le faire. Voilà, ça va encore plus vite. Ça fait appel d'air. J'ai oublié, il y a 5 litres. Ah oh, putain, il faut autre chose. Donc faut autre chose. Ah oh, putain, attends, tiens. Je ferme. Putain, moi j'étais prêté à aller chercher un autre truc. Il y a des seaux là-bas. Alors déjà, faut pouvoir y accéder. Oh les jantes. Oh. Un chat. Oh bah elle a miaulé. Hey, j'ai fait du contenu, chérie. C'est bien. Simulateur d'ailleurs à vendre si ça vous intéresse. Oh. Il est sur le bon coin. 1000 euros. Hein? Non. Yeah. Ça me fait rire parce que le mini entonnoir pour un truc pas prévu pour faire ça. Mais si, si. Non mais t'as des trous, chérie, t'as des trous. Ah ouais, bah ah, voilà. On va pas en mettre par terre. Pratique ce trou. Non mais toi tu commençais sans utiliser le trou. Ouais, je voulais faire comme ça à la base. Merde. Bon, mauvaise idée. Voilà. Bon, je fais ça jusqu'à ce que je remplisse 5 litres. Bruh. Merde. Et où le bouchon? Bah. Film. Mais oui, c'est déjà filmé. C'est filmé, mais comment tu fais? Ah. Ah, putain, il est où le bouchon? Jus. Non, mais trop tard, c'est pas grave. Ça pisse plus trop, là. Bah normal, tout est à côté. Attends, vite, faut que je remette dedans. C'est un Koh-Lanta, quoi. Ah, il est là, bourre. Merde. Putain. Ah non, mais c'est toi qui es censé m'apprendre des trucs, hein. Il est là, le bouchon. Bruti, là. Alors, je cherchais quoi, une bah, pêche? C'est bon, c'est vide, hein. Oh non. Je vais chercher le seau de tout à l'heure que je voulais prendre à la base. Ouais. Putain, l'abruti. J'ai trouvé un bidon, l'eau du bidon. Toujours écouter les femmes. Je n'ai pas aidé. Voilà, je voulais prendre ça. Ça aurait été beaucoup plus simple. J'aurais pas eu à verser. Ouais, je suis en train de me plaindre à tes abonnés, là. Ah bon? Ouais. T'es censé m'apprendre des trucs. Abonnez-vous à son Instagram. Alors en fait, je vais faire une contre-chaîne YouTube avec la logique de femme. Ah ouais, non, mais ça marche. Il y a moyen. Mais il y a moyen aussi qu'ils disent ouais, femme au volant, danger au tournant. Non, mais. Mais au moins, moi, je perdrai pas ce putain de bouchon là-dedans. Tu veux voir le bouchon? Voilà. À quel moment tu l'as mis dedans? À quel moment? En fait, c'est quand il se dévisse. Il s'est dévisé trop, du coup, ce matin, tu sais, j'ai regardé ma vidéo avec Camille pour dire, vas-y, comme ça, je fais pas de conneries. Dans cette fameuse vidéo,
Je vais remettre un extrait parce que c'est trop drôle. Dans cette vidéo, Camille dit enlève pas le bouchon, sinon ça va faire. Qu'est-ce que j'ai fait à l'instant même, genre 5 minutes après avoir regardé la dite vidéo. Aux toilettes. Enlever le bouchon. Je vais le remettre. Je sens pas le truc, je sens que ça va couler en horizontale, tu sais, vers. Ouais, genre là-bas. Genre, tu sais ça, genre pchou ouais. Là, là, genre ici. Non, mais c'est pas mal. Je vais le remettre là. On va quand même l'emmener à la déchetterie. Oui. Oh là là, mais non, mais jus, t'en mets plus à côté qu'autre chose. Mais c'est parce qu'il y a une feuille. Mais non, mais mets-le. Mais. Mais. Ah, je me fends la gueule juste avant de voir la vidéo. Quand mais je... merde. Non, mais sérieux, on va emmener à la déchetterie. Est-ce qu'elle mène. Alors, oui, il y a 5 litres en effet, hein. Reste plus qu'un litre 5. Mais c'est toi, mais c'est... Vas-y. Là. Sinon, ça va, j'ai pas les mains trop sales. Va te laver les mains, ça brûle. Non, mais de toute façon, je vais en enlever d'autres. Ah, il y a d'autres pipis. Bon, maintenant, il me faut une pince. Je crois qu'il est vexé. Est-ce que ça a un effet nettoyant? Pam pam param pam pam para pam parararara. Mon crochet de gris. Oh là là. Elle est trop mignonne. Qu'est-ce qu'il y a? Trouver une pince du coup. Ouais, pas celle que je voulais, mais c'est une pince. Tu peux le faire ou je le fais? Bah c'est quoi qu'il faut faire? Faut appuyer là-dessus et enlever la durite. J'essaye. Tu peux commencer par là si tu veux. Commencer par où? Là là. Ok. Tu appuies là. Et tu tires vers là. Voilà. Faut la faire rouler comme ça. Ok. Allez, encore. Top. Ok, on va défaire celle-là. Ah aussi. D'accord, je comprends. Tu veux pas l'enlever, tu veux juste. Hop. Vas-y. Voilà. Et là, la durite, elle va s'enlever toute seule. Tu peux enlever la durite. Là. Vas-y, tu tires là. Regarde. Vas-y. Doucement, doucement. Voilà. Et maintenant, tu l'enlèves de là. Ouh. Tourne. Là, non, mais tu sens. Tu oui, sens. Oui. Je sens que ça a chauffé là. Que c'est intégré au non, truc. Non, tourne, tire pas. Voilà. Tire, tourne. Non, mais laisse-moi faire. Voilà. Yeah. Tu sentais que c'était... Ça faisait qu'un. Maintenant, il faut que tu trouves exactement la même que celle-là. Ça ressemble un peu, elle. Bah, fais la tourner. Ça ressemble un peu... Bah, les autres, ah voilà, comme ça, regarde. Ouais, les autres, elles sont trop longues. Ouais, non, regarde, celle-là, elle est bien. Ah, premier donc, coup. Tu récupères quoi, maintenant? Ça. Les colliers, ouais. Parce que là, ils n'ont pas fourni de colliers. Mais les colliers d'origine, moi, je vous conseille toujours les colliers d'origine. Ils sont toujours trop bien. Donc, c'est ça va logique. Comme ça. Et je pense qu'on va devoir la couper un petit peu. Pas qu'elle soit pliée, en fait. Oui, mais... C'est à fond jusque-là. Jusqu'au point, au trait. Ah ouais, non, un non, peu tu vois, plié. J'aime pas du tout, là. Faut, ça, faut, c'est pas bon faut du tout. Au moins couper ça. Ouais. On va faire petit à petit. On va couper deux. Et après plus. Peut-être le moment où il va se glisser. Mais non, je vais me mettre de l'autre sens, comme ça j'aurai moins de difficultés. Attends, je vais voir comment c'est fait là. Pour ça, c'est beaucoup plus résistant que ça, regarde. Là, t'en as un petit peu, là t'en as beaucoup. Ouais. Bon, on bon a commencé 5 cm. En deux et puis là on a fait ouais. trois anneaux de plus. Ok. Ça fait 5. Bah bien, maintenant on fait le reste, écoute. On va se mettre en timelapse parce qu'il y a un peu la tronçonneuse qui fait chier là, donc on va se mettre en accéléré. Ma chérie, alors j'ai trop... Attends, tiens, j'ai chaud. Je vais t'expliquer un truc. En gros, ici, on a le... Régulateur de chauffage. Regarde. Elle est belle ta barbe au soleil. Ah bon?
Regarde ici. Tu vois ça là? Tu peux toucher? Oui, oui, viens. C'est marrant parce que je fais comme Camille m'a appris. Le chauffage. Je crois que tu m'avais déjà montré. Si, tu m'avais montré, mais à l'intérieur quand t'as... Ça a bougé? Oui. Ah, putain. Vas-y. Ah, putain. Yep. Ah. Bon. Il n'y a pas eu de tronçonneuse pendant tout qu'on a fait le timelapse. Je me remets à parler tronçonneuse. Oh, on voit la veine du bibi. On voit la veine de je vais me faire mal et je vais tout arracher surtout. C'est quoi qui bloquait? Je vois pas. Non, c'est juste qu'elle est vieille. Et j'ai arraché un bout. Ah non, c'est bon. Ouais. Bon, il y a un truc qui me plaît pas du tout. J'étais en train de défaire en dessous une durite et je me dis c'est marrant, l'embout il est plat. Alors qu'elles sont rondes, c'est pas normal. Et là, je regarde ça, j'ai l'impression que cette durite a déjà été changée par le passé, que le mec, il a tout éclaté et il l'a remis one again. Regarde, regarde. Regarde l'état de la durite. Enfin, ça, c'est censé être rond. Hein. Et moi, je l'ai pas aplati, je l'ai retrouvé comme ça. Là, je vais prendre ça là, je vais essayer de la arrondir un peu, parce que là, c'est impossible de remanchonner quoi que ce soit. Et ça me plaît pas du tout. J'ai utilisé la pince, j'ai utilisé le petit tournevis là, et au final... Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Je sais pas comment le liquide arrivait à passer dans un truc aussi éclaté. Donc là, normalement, si j'arrive à foutre la durite, ça passe. Ah bah voilà. Ok, super, parfait. Bon, j'ai eu peur. C'était quoi ça? Genre un mécano? C'était une petite mamie avant, donc je suppose que c'est pas la petite mamie qui l'a fait. Genre un mécano a fait ça. Genre il a... C'était hyper galère. Je sais que dans la première vidéo, on avait galéré pareil. On avait dû couper la durite. Regarde, je te montre. Hein. La durite, c'est exactement la reproduction de la vidéo d'il y a 3 ans. Hein. On a dû la couper. Et là, pareil, donc je la coupe. Et en dessous, c'était plat. Bon, bah ça ne peut être que mieux. Ouais, je peux te montrer dans la vidéo, c'est trop tard. Mais bon, ça commence à prendre forme. Il en reste quelques-unes, les petites là. Et voilà. Bon, ma chérie. Farine de blé. Ta gueule. Pain de seigle, on va t'appeler. Voilà. Et j'ai fait la dernière là-bas, là, qui était une tannée. J'ai finalement réussi. Alors, je vais inverser la caméra, mais voilà. J'ai finalement réussi à mettre là-bas, là. Est-ce qu'on peut zoomer ça? Mais c'était horrible. Genre il m'a fallu 2 pinces, machin, 1h15 pour mettre une durite, enfin pour mettre le collier de serrage. Ah, heureusement que j'étais là. Ouais, catastrophe. Donc bon, j'ai mis tout ça, il nous reste du rab parce que c'est aussi pour D16, ça c'est quoi comme moteur? C'est, ça va pour 15. Un D16 et ça c'est un 30 chevaux. D15. C'est bien ma chérie. Voilà. Pourquoi c'est marqué 16 valves? Ah t'inquiète, j'expliquerai, c'est pas... Elle est pas censée aller là, mais je te l'ai mise parce que c'est stylé. Puis ça tient. De toute façon, ça c'est pas trop important. Mais là-bas, il fallait vraiment mettre c'est le collier. Quoi c'est juste le récupérateur de trop plein de mes couilles là. Là d'expansion. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de redémarrer la voiture? Qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on a fait. Du liquide. Exactement. Du liquide de refroidissement. Oui. Le bidon rose. Ah, le rose, pas le jaune. Bah, des fois c'est rose, des fois c'est vert, des fois c'est bleu. Des fois... Enfin, la plupart du temps, bleu c'est ça. Mais... C'est garni, j'aime bien. Radiator coolant. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on vérifie avant de remplir? Est-ce que t'as bien remis le papillon? C'est bien! Oui, j'ai remis le papillon. Bah non, tu fais. Tiens, j'arrête de faire à ta place. C'est ta voiture. La youtubeuse. Je suis pas une youtubeuse, je suis une instagrammeuse. Pain de seigle. Arrête! C'est chiant. Ah non, tu veux pas un entonnoir? Pourquoi on dit noir alors qu'il est orange? Tu veux pas un entorange? Pas mes pieds. Allez, filme mes pieds. Esteban! Quelle maîtrise! Quelle maîtrise! Ah, tout de suite, ça tremblote là. Hein. Fesses. Ta gueule. Non, c'est bon. Si je sens que c'est mouillé au niveau de mes pieds, c'est que t'as mal remis le papillon, c'est ça? Ouais. Putain, il y a les palais sur le feu. Oh là là. Ah, bon, ah, tu cuisines en plus? Oui. Ah, bah bravo! Jusqu'à ce que ça fasse bloup! Donc doucement maintenant. Voilà, je sais plus où est-ce qu'on s'est arrêté de filmer tout à l'heure, mais on a toutes les durites qui sont installées. J'ai mis celle-là qui a rien à foutre là, mais je l'ai redécoupée un petit peu, puis voilà, ça rend plutôt bien, je trouve. Ensuite, il faudra vraiment
faire ça. J'avais dit pareil dans ma vidéo sur la Mini à 3 ans et on l'a jamais fait. Mais j'aimerais bien faire un truc genre, vous savez, là, comme la glace là. Ben & Jerry's. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça va bien avec le style. Casse-gueule à faire. Oh. Bah, faut de la méga peinture qui tient. Bah, tu peux me faire tes yeux de biche si tu veux, mais je sais pas faire. Bah, dites-nous si vous savez faire. Voilà. Moi, j'aimerais bien faire ça. Si quelqu'un sait faire de la peinture très spéciale avec des motifs et machin, quelle peinture faut utiliser pour que ça tienne? Parce que je sais pas. Bah, sinon, c'est le truc, tu sais, là où tu vois les casques qui trempent là. Ah, l'hydrodip? Ouais. Ouais, mais ça, pareil, ça tient pas là-dessus sur une culasse. Bah, je pense pas. Pareil, dites-moi, est-ce que l'hydrodip ça passe ou des trucs comme ça? J'ai refait le plein de ça. Oui, là, on a refait le plein. Sans en mettre à côté. Ouais, on voit bien dedans. Ça chante bien quand même. Alors, je pars ça. Mets le chauffage à fond. Tu mets chaud à fond et à fond à fond. Voilà. Comme ça, ça va faire bien circuler dans tous les tuyaux. Et puis ce qu'on fera, c'est que la prochaine fois qu'on va rouler, on fera une petite vérif du niveau en revenant. Bon, ça te plaît? C'est bien. Donc tu as bien compris comment on faisait en plus? Oui. Donc ça, c'est juste, on appelle ça les durites d'eau. Parce que le liquide de refroidissement, c'est de l'eau. Voilà. Donc, cool. Moi, j'ai une question. Oui. Tout ça, là. Ça quoi? Ça et tout, est-ce que ça se change? Oui, sur la mienne, on les avait changés. Oui, en rouge ça, aussi. Là, en rouge, ouais. Mais là-dessus, on va pas les mettre en rouge. Je sais pas si ça existe. Je sais pas si en bleu, ça existe aussi, mais j'aime pas, je trouve ça moche. En beige. Mais donc ça, c'est du riz de bougie, avec l'allumeur qui est là. Ça, c'est le collecteur d'échappement. Ça, c'est le collecteur d'admission pour l'air qui rentre et l'air qui sort. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir sur les Rassos. Merci au Street Car Crew qui organise des super événements sur Nantes. On est allé à 2 événements là sur les 3 dernières semaines et c'était vraiment cool. Et vous irez voir sur mon TikTok ou sur mon Instagram. J'ai mis un petit post. J'ai été à un Rasso vendredi soir, un Rasso à l'arrache. Je suis à Saint-Nazaire, donc c'est à 10 minutes de la maison. À Nantes, il faut compter une heure pour y aller. Donc je me suis dit, bah cool, on va faire un Rasso de vendredi soir. Que dire? Allez, il y avait une Soub, une ou deux Civic. Voilà. Toutes les autres bagnoles, c'était des diesels d'origine et qui avait rien à foutre là. Mais genre vraiment, genre le petit coup de gueule de la vidéo, tu vois. Il y avait un endroit, j'ai envoyé une photo à mes potes, il y avait une A3 qui était ok, d'origine rien. Et une Polo, pareil, d'origine rien, si avec le logo rouge. Waouh, super. Et il y a un mec qui arrive en Clio 3 Estate rouge diesel. Et on lui dit, bah non, mets-toi sur le trottoir. Et il fait marche arrière. Il passe la première, il n'arrive même pas à faire un burn. Il se gare. Voilà. Et voilà, ces mecs-là, ils disent qu'ils font des rassos. Non. Donc on est venu, on est reparti 5 minutes après. On allait se faire un quartier. Mais j'étais content pour une fois de faire un truc pas loin de la maison, mais ça, bon, non, ça vaut pas le coup. Donc, si vous voulez des événements, suivez des mecs comme le Street Car Crew à Nantes, des associations qui prennent de leur temps, qui prennent beaucoup, beaucoup de leur temps d'ailleurs, pour faire des beaux événements encadrés, autorisés. Et puis il n'y a pas surtout pas de débordement. Ouais, trop long, ça vient là, plus je vais aller l'uniquer ça même. Il n'y a pas de débordement quoi, c'est ouais, surtout voilà. Ça. Et donc voilà, je le dis beaucoup, mais merci au Street Car Crew parce que leurs événements ils sont super. Et un petit merci aussi à Julien de Shiftech qui nous a bien dépanné l'autre soir. J'ai pas la vidéo malheureusement. Si quelqu'un a la vidéo de notre départ du Rasso à Shiftech l'autre soir où on a déposé la ligne d'échappement sur le trottoir, ça m'intéresse. Ce serait sympa de nous l'envoyer, ce serait cool. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était super cool, je suis content de t'avoir appris 2-3 trucs. Tu as été plutôt drôle, je trouve, c'était rigolo, on s'est bien marré. Je me suis un peu esquivé à un moment voilà, donné. À un moment, comme d'habitude, mais voilà, c'est ça les vidéos que j'aime bien faire. Tout seul, ça m'emmerde de faire des vidéos, clairement. Mais quand on est soit avec nous, soit avec les copains, là c'est beaucoup plus marrant. Donc merci d'avoir regardé, elle est toujours là. On se retrouve très vite, je sais pas, mais voilà, on se retrouve pour des nouvelles vidéos. Il y a du gros changement cet hiver. Voilà, j'en dis pas plus. Merci encore à AliExpress d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez tous les liens dans la description avec les codes promo. Foncez, c'est juste aujourd'hui. Si normalement la vidéo sort le 11.
A priori, non, c'est bon. AliExpress, quoi. Ouais, plutôt. Mais genre, le 11, c'est demain. J'ai dit à Ali, ouais, ben, j'ai reçu hier. Donc, je tourne aujourd'hui. Je vous l'envoie dans la nuit. Et vous avez intérêt à valider pour que je la poste le 11. Parce que sinon, voilà. Donc, normalement, ça sort le 11. En plus, c'est férié, c'est très bien. Ouais. Et on pourra regarder. Allez, on vous embête pas plus. Ciao. Prout.